J'avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très, très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Je n'étais encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Wichapi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver. Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Rock Tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, graine de bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi faire, les papouzes. C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard? Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin, besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Ces graines de bison. Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, assez dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tipi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Oh. Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. Oh. Déjà de l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Chut! Il est là. Il faut gagner du temps. Tu sais,
sais, graine de bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course. On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt. Un loup. Le cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hey! Tiens, tiens. Hey! Salut les Paulatouches. Rien de cassé? Salut, Akari. Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. C'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, graine de bison. Hein? Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, hey, attends! Hé! Hey, séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Yeah! Habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes. Yakari. Sortir d'ici, tout va s'effondrer. La sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi, il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre. Doucement. Écureuil pressé. Attention, Yakari est là-dessous. Attention. Là. Le morceau d'étoile. Oh. Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oui, Yakari, te voilà. Tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi.
Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer. Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens, c'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Hein? Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur. Ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Hein? Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Eh oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et tu les as perdus depuis longtemps? Oh non, ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Hein? Tout bois. Salut, Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Hé, hey,
Ils sont extraordinaires, ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Hé, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élan-Lan. C'est bois. Bonne promenade. Oh. À plus tard. Salut, graine de bison. Waouh. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh, non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon haut tout haut. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Hotuo. Qu'est-ce que c'est exactement, le Hotuo, Rock Tranquille? Eh bien, le Hotuo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout, même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Hotuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de tout bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Hotuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil? Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs, vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube, Élan-Lan, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais il y avait... Merci, Élan-Lan. Hey! Laisse-nous tranquille, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de flèche de tout bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Laisse-moi, papouze.
Ton mocassin, il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout. Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, hey, rends-le-moi. Hé, hé. Prends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé, il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de Toutbois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elolan. Flèche de Toutbois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, arc-en-ciel. Mais... Oreille tombante, laisse Flèche de Toutbois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon, alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de choses. Elolan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de Flèche de Toutbois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh! Moi, c'était le contraire. Il y en avait plein, mon tipi. Hein? Pas à moi. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Oh. Tous les objets de Flèche de Toutbois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Elolan est entré dans le tipi de Flèche de Toutbois en croyant que c'était le sien. Elolan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi, en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, Flèche de Toutbois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. Merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.
Petit tonnerre, cette nuit un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey oh qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. Oh. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Un cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce, car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège, il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement, demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas. Ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais il s'ensuivit par un loup. Yeah!
plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Yakari! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Yakari, écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père, ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père, c'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre! Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Ah! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis! Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Oh, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. Hein? On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas loup tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Hey, je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sio? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, Petit Tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs! Ils m'ont pris mon œil!
Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse, papouze. Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Oui, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non. Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, arc-en-ciel. Ah.
crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Oh non. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel ? Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Coucou ! Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-Ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée. Coucou. Elle est partie en trottinant. Coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe. Coucou. Brouté de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah, mais attends, attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non? Coucou. Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là! Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvée! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends!
petit tonnerre. Retourne au campement. Va chercher de l'aide. Réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule! Je n'aurai pas le temps de retourner au campement! Attends, Lan! J'ai besoin de toi! C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-Ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Cette fois-ci, c'est trop tard. Oh. Yakari, je t'en supplie. Ah, n'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon braiement. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Oh, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez! Pressons, pressons! J'ai pas le temps, moi! Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan! À bientôt! Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être. Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Les animaux de la prairie. Yakari.
Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de Bison sur mon dos, il n'en est pas question, il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi! Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces trois papouses-là. Les voilà! Ah! C'est lui! Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif, on va leur montrer. Cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris. Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit! Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les trois nos amis. C'est vous les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra! Attention, arc-en-ciel! Tiens bon! Non! Laisse-moi passer! Plus vite, Grand Gris, plus vite! Je t'en supplie! Ne reste pas là, Grand Gris! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à Arc-en-Ciel... Où est l'autre papouse? Voleur de chevaux! Bien joué, Graine de Bison! Ah. Ah, tu fais moins le malin, hein, maintenant? Oh. Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles! Ton tour, petit tonnerre. Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en. C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien, Yak.
Ah, c'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et graines de bison. Graines de bison. Il faut aller l'aider. Hé, tout va bien, graines de bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleurs de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus, il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, petit tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, graine de bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Oh. Tu as besoin de te reposer. Allonge tes jambes. Demain, au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos trois jeunes papouses. Nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais Yakari et Arc-en-Ciel! Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi! Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Grand cheval gris, où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul. Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval... Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouse. Elle est blessée. Laissons-la partir. Par question. Je veux ce cheval. Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouses tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre. Vous ne le retrouverez jamais. Maudit papouse. Gah!
toujours ensemble. Laisse-les, nous n'avons plus de temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé. Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres, viens. Ne vous inquiétez pas, ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi. Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Chez toi, Grand Gris. Ma place est ici. Incroyable. Rock, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai posé ici la peau de bison peinte qui nous vient de nos ancêtres. Et ce matin, disparu. Envolé. Je l'ai cherché partout. Qui a pu la prendre? C'est le bien de tous. Oui. Cette peau très ancienne a beaucoup de valeur. Ses dessins racontent l'histoire de notre tribu. Une histoire qui remonte très loin dans le temps. Mais il doit bien y avoir des traces du voleur. Ah, malheureusement, eh bien, je ne suis plus en âge de les suivre. Mais moi, si! Je suis le meilleur pisteur de toute la prairie. Oh! Hé, hé! Graine de bison, tu ne crois pas que tu exagères un peu, hein? Non, et je le prouverai. Parions que je ramène la peau volée avant toi. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, pari tenu. Nya! Oh, 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 oh. Bon. Ha, ha, ha! Pousse-toi. Le voleur est malin. Il a effacé ses traces. Mais on voit quand même qu'il est parti vers la forêt. Graine de bison est impulsif, Yakari. Mais ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Pour suivre une piste, il ne faut pas se précipiter, mais observer avec attention. Tiens, je l'ai sculpté pour toi. Il te portera chance. Qu'il est beau! Merci, père. Va. Ah!
il y a des traces fraîches. C'est par là. Allez! Tu es sûr de vouloir aller aussi vite sur ce petit sentier? C'est dangereux. Qu'est-ce que je disais? Eh, en voilà des manières. Excuse-moi, je cherche un voleur qui... Il n'y a pas de voleur ici. File avant que je ne te fasse goûter à quelques-uns de mes piquants. Ah! Mon père avait raison. Je ne dois surtout pas me précipiter. Retournons sur nos pas. Tu tiens vraiment à rapporter cette peau toi-même? Le principal, c'est qu'elle soit retrouvée. J'aimerais bien donner une petite leçon à Graine de Bison. Et puis, mon père serait fier. Il m'a même donné un petit aigle en bois pour me porter chance. Hé ! Regarde, petit tonnerre, il y a des poils de fourrure. Et là, on a traîné quelque chose. Ce voleur est un animal et de petite taille. Tu crois vraiment qu'un animal penserait à effacer ses traces derrière lui depuis le campement? Oui, c'est étrange en effet. Il me semblait bien pourtant que... Oreille tombante! Est-ce que tu peux nous aider? Nous recherchons la piste de... Suivons-le! Il a flairé quelque chose. On touche au but. Ces arbres, ce bosquet, c'est... Oh non! Le campement! Oh, j'aurais dû faire attention. Déjà de retour, tu as trouvé la peau, mon fils? Non, je me suis trompée de piste. Graine de Bison a dû ramener la peau le premier. Il a gagné son pari. Persévère, Yakari. L'important n'est pas d'être le premier ou le meilleur, mais d'être généreux. Et puis, si Graine de Bison était déjà revenue au campement avec la peau, on l'entendrait d'ici. Tu as raison. J'y retourne. Par ici, ce sont les traces qui mènent au porc épic. Donc, je vais essayer de ce côté-là. Oh! D'autres poils clairs sur ce tronc. Oh! Et ici! Des poils plus foncés. Tiens, c'est curieux. Cela veut dire qu'il y a deux voleurs qui sont passés il y a très peu de temps. Malgré le vent, les poils sont encore bien accrochés. Ne pas se précipiter. Se concentrer et être persévérant. Waouh! Tu as trouvé quelque chose, Yakari? Regarde, il y en a bien deux. D'après les empreintes, ce sont des jeunes coyotes. Des jeunes coyotes? Je sais qu'ils sont malins, Yakari, mais de là à penser à effacer leurs traces... Mais non, petit tonnerre. Ils traînent quelque chose derrière eux. Et ce quelque chose, c'est la peau de la tribu. Ils ne doivent plus être loin. Les traces dans la boue sont fraîches. Allons-y. Ya! Hey! La peau... J'ai retrouvé la peau avant Graine de Bison. Et si tu n'y vas pas tout de suite, tu vas avoir deux peaux au lieu d'une. Tu as raison. Et là, vous deux! Rendez-moi cette peau! Mais arrête-toi, petit coyote! Et laisse cette peau! Attends-moi ici, petit tonnerre. Cette pente est trop raide pour toi.
pauvres graines de bison. Il va en faire une tête. Les traces, enfin! Trop tard, graines de bison. Le petit coyote. Tant pis. Tiens bon, j'arrive. Encore des traces. Ah, j'y suis presque. N'aie pas peur. Approche-toi au lieu de te cacher. La voilà. J'ai gagné mon pari. Ah, j'ai battu Yakari. Je suis le meilleur. Je vais t'attraper par le cou et te remonter. Hé, hé, petit rusé. Je le connais, le coup du mort. Mon ami Coyote, malin pour deux, me l'a déjà montré. C'est vrai, tu connais malin pour deux? T'es mon papa. C'est aussi mon ami. Je suis Yakari et tu peux me faire confiance. Tends ton cou et surtout ne t'agite pas pendant que je te remonte. Ça y est, tu es sauvé. Merci, Yakari. Merci. Alors, quand je vous disais que je suis le meilleur pisteur, voilà la peau, Rogue Tranquille. J'ai gagné. Bravo, graine de bison. Mais dis-moi. Quoi? C'est toi qui l'as mâchouillé comme ça des deux côtés? Mais non, je t'assure, Rogue Tranquille. Non mais je plaisante. Je sais bien que ce n'est pas toi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu, excuse-moi. Tiens, Rogue Tranquille, avec la peau, j'ai aussi retrouvé ton aigle en bois. Très joli, mais ce n'est pas à moi. Je crois que Regard Droit sait à qui cela appartient. C'était sûrement enveloppé dans la peau. Alors, Yakari, tu n'arrives que maintenant? Ça fait longtemps que j'ai rapporté la peau. Pas du tout, je l'avais retrouvée avant toi. Mais j'ai dû aider un coyote qui était en danger. Et quand j'ai voulu reprendre la peau, eh bien... Eh bien, j'ai gagné ou j'ai pas gagné? C'est bon, graine de bison, tu as gagné. Tu es vraiment un bon pisteur. Ah, un très grand pisteur. Le meilleur, tu veux dire. Tiens, Yakari. Graine de bison a trouvé ceci près de la peau. Quelqu'un a dû le perdre. Probablement celui qui a trouvé la peau en premier. Quelqu'un de généreux. C'est vrai que le plus important n'est pas d'être le premier. Petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey oh. Oh.
nous a fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. Oh. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce, car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège, il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement, demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas. Ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah! Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Yakari! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Yakari, écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père, ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de Loup Tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari. Mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé.
Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loups tranquilles. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, petit tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Ah! Attention, petit tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, petit tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Mmh. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis! Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Oh, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. Hein? On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup Tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup Tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Hey, je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sio? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, petit tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs! Ils m'ont pris mon œil! Nous ne sommes pas des chasseurs! Ni mon ami, ni moi! Laisse-nous repartir! Ah! Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Hein, ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup.
N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Oiseau, tu es le meilleur chanteur de la forêt. Même la flûte de rock tranquille ne produit pas de son aussi mélodieux. Merci, mes amis, vous me flattez. Yakari a raison, je donnerais toutes les plumes de ma queue pour posséder une aussi belle voix. Chante-nous encore quelque chose, si tu le veux bien. De quoi ? De quoi ? Il y a un concours de chant ? Pourquoi ne m'a-t-on pas averti ? Chut, Micmac ! Si tu veux écouter, descends de cette branche et viens plutôt te poser par là. Je ne suis pas venu pour écouter. Non, non, non. Je suis là pour chanter. Place ! Quoi ? Toi, chanter ? Au contraire. Les corbeaux sont d'excellents chanteurs. Et je suis de loin le meilleur. Je ne plaisante pas. Silence ! Hein ? Désolé, je ne peux pas rester, je dois m'occuper de ma couvée. C'est horrible. Je vais vers la forêt. Et moi, les noisettes à ramasser. Yakari, c'est insupportable, allons-nous-en. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, sauvons-nous. Mais où sont-ils tous passés? Je n'ai pas terminé. Pas la peine de continuer. On t'a très bien entendu. Suffisamment, en tout cas. Impressionné, n'est-ce pas? Alors, ne suis-je pas le meilleur chanteur de la forêt? Micmac, tu ne parles pas sérieusement. Quoi? Ne le prends pas mal, mais les corbeaux n'ont jamais été doués pour le chant. Quoi? Quel toupet! Je n'ai jamais été autant insulté. Dis plutôt que j'ai trop de talent pour vos petites oreilles. Allons-nous-en, Yakari. Ce corbeau me fatigue avec ses grands airs. Restez, c'est un ordre. Tu exagères, Micmac. Revenez tout de suite ou bien je me vengerai. Oui, oui, c'est ça. À bientôt, Micmac. Je suis le meilleur chanteur de la forêt. Tu as gâché mon repas. Va-t'en. Tu me casses les oreilles. Écoute plutôt ma jolie voix. Déguerpis ou bien... Crois-moi, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Qu'y a-t-il, Yakari? Le repas n'est pas bon? Oh, si, délicieux. Je peux en avoir encore un peu? Je t'assure, il m'a plongé dessus. Cet oiseau est fou. N'y pense plus. Avec moi, tu ne risques rien.
Ce n'est pas Grand Aigle. Non, c'est trop petit. Ah! Qui est le meilleur chanteur de la forêt? Sûrement pas toi. Tu chantes comme un vieux pot cassé. Mauvaise réponse, petit Sioux. Quoi? 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 Écoute, ma jolie voix. Quoi? Vite, petit tonnerre, cours vers la forêt. Il est devenu complètement fou. Quoi? 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 Petit malin, je finirai bien par vous trouver. Ils me le paieront très très cher. Tiens, tiens, tiens. Je ne le vois plus. Et maintenant, on ne va pas rester caché toute la journée. Arc-en-ciel! Coucou! À quoi vous jouez tous les deux? Cache-toi avec nous! Mais pourquoi? C'est à cause de Micmac, le corbeau. Il faut que je te raconte une histoire incroyable. Croix, croix! Qui a la plus belle voix? Oh non! C'est moi! Jolie voix! Écoutez-la! Sors de mon chemin! Je suis le meilleur chanteur de la forêt! Jamais vous ne m'échapperez! Et ça dure comme ça depuis ce matin! Je ne vois qu'une solution pour s'en débarrasser. Il faut l'attraper. Impossible. Il voit tout, il est rusé. Alors nous devons nous montrer plus rusés que lui. Qu'est-ce que vous faites là, les papouses? Allez, allez, dehors, allez jouer ailleurs. Les imbéciles. Tiens, une couverture à quatre pattes. Là, un corbeau qui marche. Un drôle de rêve. Ça fonctionne. Il nous suit. Nous nous sommes trompés sur Micmac. Quelle voix délicieuse, vraiment. Oui, c'est un gentil corbeau. Sûrement le meilleur chanteur de la forêt. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Enfin, on reconnaît mon talent. Sortez de votre cachette, les enfants. Vous avez bien mérité une petite chanson. Quoi? 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 Maintenant. Tu es pris, Micmac. Là, je l'ai. Je me vengerai. Peut-être qu'après ça, il va nous laisser un petit peu tranquille. Ce n'est pas le moment d'abandonner, il faut trouver autre chose. Eh bien, les enfants, vous en faites une tête. Ce corbeau vous cause du souci? Il n'arrête pas de nous harceler. Et comme ça vole un corbeau, c'est impossible de l'attraper. Pour attraper un oiseau, rien de plus facile. Écoutez les conseils des anciens. Ah, je vais d'abord corbeau et maintenant que vous connaissez le secret, faites-en ce que vous voulez. Merci, Tortue Rapide. Merci, Roque Tranquille. Je te reconnais. Tu étais avec Yakari ce matin. Que penses-tu de ma jolie voix? N'est-elle pas charmante? Crois. C'est atroce. Hey, descends de là. Continue ton repas, je vais chanter pour toi, mon ami. Quoi? Tais-toi, ton petit petit. Espèce de grosse bête. Reviens, j'ai pas encore terminé. Et toi, tu
ne veux pas entendre ma jolie voix? Laisse-moi, je te mords. Une bonne couche bien épaisse de résine de pin, et voilà. Et une fois que Micmac aura posé ses pattes, il ne pourra plus s'envoler. Voilà le secret. Quand ils étaient petits, tortue rapide et roc tranquille, attraper les pies de cette manière. On va bien voir si ça marche toujours. Yakari, as-tu bientôt fini? Micmac s'en prend maintenant à tous les animaux de la forêt. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à l'avertir. Un nouveau concours de chant? Et vous êtes là pour m'écouter, c'est vrai? Oui, oui, chante autant que tu voudras. Mais rapproche-toi que nous puissions bien t'entendre. C'est ça, c'est ça. Et qui me dit que ce n'est pas encore un piège? Qui pourrait t'attraper? Tu es le seul à savoir voler. C'est ça, c'est ça. Et qui me dit que vous n'êtes pas là pour vous moquer? Je t'assure, nous sommes là pour t'apprécier comme tu le mérites. S'il te plaît, prends la place d'honneur qui te revient, toi, le plus grand des chanteurs. Bien. Puisque tout le monde insiste, je veux bien chanter. Que diriez-vous d'une petite improvisation? Quoi, 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 quoi. Comment? Vous n'aimez pas ma voix? Menteur! Vous aviez promis! Nous avons promis de t'apprécier comme tu le mérites. Et les habitants de la forêt viennent de rendre leur jugement. Tu chantes mal, Micmac. Traître! C'est toi qui as manigancé tout ça? Tu es égoïste et prétentieux. Tu ne m'as pas laissé le choix. Yakari! Je ne peux plus m'envoler! Écoute, Micmac. Je veux bien te libérer, mais il faut que tu jures de ne plus jamais nous embêter. Je refuse. Très bien, comme tu voudras. Au revoir, Micmac. Non, non, viens, je promets. Alors jure-le. Sur les plumes de ma queue, je jure de ne plus jamais vous embêter. Et si je mens, que je sois changé sur le champ en crottin de cheval. Répète un peu. Délivrez-moi. Tes pattes sont prises dans de la résine de pin. Tu seras libre dans peu de temps. Au revoir, Micmac. Yakari, Yakari, traître, farceur, menteur, reviens, reviens. Autour d'un chasseur. Hein? Va le voir, Yakari, tu me raconteras plus tard. Voilà, le voilà. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Mais... Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur.
Privé de force et de courage, je décidai de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer? Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau Hardy, prête-moi ton talisman, il me sera très utile. Nuage d'orgueil, un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Et pourquoi ça? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu. Tu aurais dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau Hardy et ensuite il est parti, sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'Orgueil pour qu'il gagne son propre talisman? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'Orgueil? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'Orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami. Grand esprit, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand esprit, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari. Le grand esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici. Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papouze peut connaître de ces choses-là? Quoi? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le grand esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui? Essaie donc de m'en empêcher. Papouze. Hé! 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 Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours. Tiens-toi bien, Yakari! Il est courageux, mais le ravin le fera renoncer! Attention, petit tonnerre! Arrête-toi! Tu n'as plus confiance en moi? Il a réussi à passer. Il va falloir ruser.
Yakari est très courageux, mais pas très malin. Ah bon? Qui n'est pas très malin? Oh non! Mais comment tu fais? Mon poney est très vaillant. Demande-lui de me suivre dans la montagne. Attends! Nuage d'orgueil, tu dois renoncer à ton projet. Tu abandonnes, Yakari. Cette escalade est trop dangereuse. Cherchons un autre chemin. Non, cela prendrait trop de temps. Je n'ai plus le choix. Je dois le suivre. Sois prudent, Yakari. Il prend beaucoup d'avance. Tu fais moins le fier sans ton poney. Bonjour, Yakari. Eh, mais je connais cette drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais? On peut jouer avec toi? Tout sucre, tout miel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est le pic de l'ours. Eh oui. Et on est... On est... des ours. Maman est là-haut, elle cueille des baies sauvages. Mais elle en mange la moitié. Elle est gourmande. Pas par là, les amis. Hein? Hein? Vous êtes en danger. Il faut bien vous cacher. Il y a un chasseur d'ours sur la montagne. Quoi? Aïe! Aïe! Oh. Quoi? Hein? Un chasseur? Hein? Mais... Maman! Il faut la prévenir! Yakari, aide-nous! J'approche du but. Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours. Attends. Regarde ces deux ours en nuage d'orgueil. Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur. Écoute ton cœur. Ce n'est pas digne de toi. Oh, eh bien... Oh. Attention. Ça va? Merci, nuage d'orgueil. Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil. Finalement, il semble que le grand esprit m'ait entendu. Ces griffes de puma sont un talisman magnifique. Tu as agi avec bravoure. Je suis content que tu sois revenu dans la tribu. Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami. Tu as sauvé Yakari. Comment te remercier, nuage d'orgueil? Nous te devons tant. Non, ne croyez pas ça. Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui. Son courage a été une grande leçon. Hey!
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, et petit tonnerre, Yakari, et petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari. Arc-en-ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits. Très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock Tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd, mais je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouse, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock Tranquille, on voudrait te demander lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent? Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graine de bison d'or encore. On va prendre de l'avance. Ah. Oreille tombante, tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut. Non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent, dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé, maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Attends-moi! Pas question! Mais il n'y a qu'un seul canoë! Ben justement! Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin! Tu n'avais qu'à te lever plus tôt! Hé! Hey. Hé! Hey.
assez malin, t'as vu ce que tu as fait? Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de Bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser. Petit, 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 viens, je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non, il n'a pas perdu une seule plume. Même pas être tranquille sur une île déserte. Je me demande bien où il faut. Salut. Oh non, encore un. C'est une invasion. Je suis Yakari, l'amie des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore? Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Et tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille. Je m'en vais. Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Sers-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici. Graine de Bison est partie vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, hey, regarde là. Une trace de serpent. Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer! Au contraire! Si ça ne vous fait rien, je la garde! Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres! Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal! J'ai la plume! Il ne me reste plus que la mue de serpent! Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit! Oh, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent. Il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisée, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison. Continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut! Waouh! Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Oh. Oh. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné!
Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment. Ce serait trop beau si vous saviez parler. Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage! Le cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre. Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave. Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Rock Tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les trois objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les trois objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne. Pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé, oh. Oreille tombante, rends-nous ça. Reviens ici. Attends, Yakari, je vais le rattraper. Je suis le plus rapide. Non, c'est moi.